Des ossements et deux casques militaires ont été découverts récemment sur un chantier de Saint-Martin-d'Hères, en Isère, rapporte le Dauphiné libéré ce mardi. Les ouvriers sont tombés dessus fin novembre, alors qu'ils travaillaient à la dépollution abritant un ancien centre automobile Euromaster. Ce dernier avait été dévasté par un incendie volontaire en 2017. Depuis, un promoteur immobilier s'était positionné pour acquérir le foncier. Une procédure de dépollution des lieux avait donc été engagée. Après la découverte des ossements, le chantier a été interrompu et la police scientifique a réalisé des prélèvements. Des casques de la Seconde Guerre mondiale. L'analyse de ces derniers a parlé, vendredi dernier, les ossements sont d'origine animale mais les casques appartiennent à des soldats de la Seconde Guerre mondiale, l'un français et l'autre américain. Les travaux devraient donc reprendre prochainement. 0 commentaire, 0 partage, partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute. Imprimé.